On y croit. Oui, du coup, j'ai pas mal de matos sur moi. J'ai des trucs à vendre, non, je sais plus. Ouais, des flèches, j'en ai. Potions, toujours et encore les potions. Qu'est-ce que je pourrais vendre là-dedans? J'ai des kilos de flèches, mais quelque chose de fou. Ouais, je rentre à l'Egawin, je fais tout le... Et si j'étais fou, c'est-à-dire que je m'amusais à couper... Non, je pourrais pas. Je pourrais pas. Bon, faudrait que j'essaie de... Non, c'est impossible, je peux pas. À travers champs comme ça. Oh, ça va être mission impossible. C'est un bon choix, ça, par contre. Ça, c'est un très très bon choix. Attends, j'entends rien. Je vais faire plus fort parce que j'entends que plus. Oula! C'est pas comme si c'était abrupt. Mince, pauvre. Colline du héros. C'est quoi ce délire? Ouais, mais c'est pour se barrer en Skyrim, ça. Non, Morrowind en plus. Oh, Morrowind, la cité de Vivec. J'arrive.
Non, ne me dis pas que je peux y aller. Sérieux les gens? Je fais face à Morrowind. Oh, Morrowind est derrière ces montagnes. Eh ben, Balmora, je veux retourner à Balmora. C'était quoi ça? C'était un baiser de la mort version chevaline. Oh, je sais plus ce que je vois là. Aïe aïe aïe. D'ailleurs, j'ai pas fait le test, mais si je mange une pomme empoisonnée, normalement je crève. Juste pour faire l'expérience. Si je mange ça, je meurs. On est d'accord. On est d'accord.
kilos de luneur. Voilà, ça m'a ressourcé. Lui aussi, ça l'a ressourcé, non? Ah, je suis ici. Je crois que j'ai, comment dire, encastré mon cheval. Oh non, mais non. Alors, il y a un petit problème. Voilà, voilà ce qui arrive quand on fait du hors-piste. Merci. Qui c'est qui vient me déranger? Ah, c'est un crabe! Alors attends, du coup je sais plus où j'en suis. Ah, finalement. Mais c'est vrai que je suis hors chemin, mais il y a des trucs de fou quoi. Oups, il a pas aimé. Je lui ai demandé un truc un peu trop casse-gueule. Eh, belle promenade champêtre, hein, pour une fois que j'ai du beau temps. Ça c'est pas stylé.
Ah, mais je suis pas du tout sur la bonne route, moi. Je croyais que j'étais arrivé sur la bonne route, mais pas du tout. Non mais là, je visite des contrées, c'est complètement dingue. Je suis perdu au milieu de nulle part. Et je suis proche de la frontière de Morrowind. Extraordinaire. Bon, c'est pas tout, mais il faut que je rejoigne la route officielle. Je me réjouis à l'idée de découvrir tous ces endroits, ces lieux dans les centaines d'heures de jeu à venir de découverte. Ah oui, je porte trop de charge, je vais du matin. Mais oui, c'est du lin. Non, j'ai rien trouvé de bon. Oh, je suis deg. Moi qui est en train de me réjouir d'avoir trouvé du lin. Les graines de lin sont magnifiques pour la magie. Oh non, je suis deg. C'est la caverne du Peldou.
Ah oui, il y a une rivière là, il va falloir la traverser. Mince. Par là peut-être. Ah, là-bas, on voit qu'il y a des trucs qui dépassent. Oh là là, bravo mon cheval! T'es le meilleur! Double ration de carottes et de foin pour toi à l'arrivée. Promis. Oh là là, ce cheval. J'ai retrouvé la route pavée officielle. Oh! J'ai retrouvé la route pavée officielle, vite! Il y en a du monde. Oula. Voilà, faut que je la fasse la porte là. Mais pas maintenant, je suis surchargé. Cheval. Comment allez-vous? Ah bah... Oh. Elle a dit comment allez-vous, elle s'est barrée aussi sec. Ça va mon cheval, oh, mon pauvre. Bah si tu veux rester planqué là, t'as le droit. Alors je te préviens, il n'y a pas beaucoup d'herbe à brouter. Mais il faudrait que j'apprenne le toucher apaisant.
Salut. Bonjour. Oh, excusez-moi, je vais invoquer ma lumière. Invoquer ma lumière. C'est pas faux. Ah, voilà qui était là, ouais. Voilà. Là, on voit un peu mieux. Hein? Je vais rentrer chez moi à faire un mango de dos. Les commerçants ils sont fermés à cette heure-ci. On est d'accord, ils ont fermé boutique, c'est plus l'heure. Ah si, c'est encore l'heure. Oh. Ah bah attends, je vais peut-être te vendre des trucs. Hop là. Tu pourras ramasser ton contrat. Oh les gueules. Oh les têtes qui tirent. Oh là là, c'est la joie ici. Oh putain. Ils sont en train de se dire, mais merde, on avait fermé dans 5 minutes, il fait chier le client. Oh. La journée est finie. Oh le bordel. Bonjour. On voit que j'ai besoin de décompresser. Hein. Aïe, 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 aïe. Mais j'ai beaucoup aimé la promenade équestre dans la forêt. Même si c'était risqué, c'était... Ça m'a vidé l'esprit, ça me fait du bien. Excusez-moi, tu meurs. Quand on cherche du travail, la guilde des guerriers, ce n'est pas un mauvais choix. Je me suis laissé dire qu'elle était toujours à la recherche de nouvelles recrues. Puis-je vous montrer la qualité de mes marchandises? Le tablier d'adresse, je me vois pas le garder. Ouais, je vais le vendre. C'est un prix équitable. Ouais, après il y a des trucs que je peux en vendre. Oh.
Attends, parce que la force, ça peut aider. La chance, oui, je... C'est plus que ce que je fais d'habitude. C'est une bonne transaction. Je pense pas que je l'ai. Je m'en servirai. Je m'en garde une et j'en vends neuf. Ouais. Vous cherchez à me faire fermer boutique ou quoi? Il refuse d'acheter ça. Je peux revendre les bouquins un peu fou, une fois que je les ai lus. C'est très dur en affaires. Fouille, fouille, fouille. Il me manque 50 pour pouvoir m'acheter une réserve. 50. Oh, t'es chiant.
J'aime faire affaire avec vous. Attends, 50 à mon avis, je peux faire. Je vous en prie, continuez. Ah oui, même, 100%, on peut pas faire mieux. Attends. Je vais essayer de faire de l'alchimie, du coup on a un truc qui est pareil. Voilà, la vision nocturne par exemple. Oula. Adieu. Tout le plaisir est pour moi. Puis-je vous montrer la qualité de mes marchandises ? Je vais rester 3 heures en commerce avec lui. Voilà, résistance au feu. Voilà. Et là, je peux lui acheter la réserve. Oui. Merci. N'hésitez pas à parler de moi à vos connaissances. Avec plaisir. Punaise. Au revoir. Au revoir. Là, tu m'étonnes que je me sens plus léger. Mon chez-moi, il est où mon chez-moi ? Et en même temps, je peux dormir chez mes copains de la guilde des mages, mais... Oui ? Avez-vous vu Eva ? Qu'est-ce que c'est ? Bah, c'est que j'aimerais bien rentrer chez moi, mais je sais plus où c'est. Mais ouais ? Mais où est ma maison ? Ça, c'est mes copains de la guilde des mages, mais maintenant j'ai la classe d'avoir mon chez-moi. Mais elle est où ma maison? Je sais plus. Je cherche ma maison. C'est ça ma maison? Non. J'ai quelqu'un. On dirait un mec qui est bourré, qui sait plus retrouver le chemin de chez lui. Ma maison, elle est où? J'ai acheté une maison, mais je sais plus où. Mais non, c'est chez Webmana, là, qui est adorable en plus. Bah merde! Ma maison, où est ma maison? Mais je sais plus, sans déconner. Allez, Yawin, je sais plus où elle est. Oh. Bon, tant pis. Je vais aller voir la guilde des mages. Il y a mon copain qui attend pour le. Les larmes de Shinshuki Yagi là. J'arrive. Au moins, ce sera fait. Bonsoir. Quoi de neuf? J'ai croisé quelques crabes de vase il n'y a pas longtemps. Ils sont particulièrement irritants. Bonjour, associé. Je ne les supporte pas. Au revoir. Au revoir. On voit rien chez vous. Ah bah c'est toi. On dirait que vous avez pas mal voyagé. Oui, je te confirme.
Il est tout sourire. J'adore. Qu'est-ce que tu fous derrière la porte en plein couloir? On pourrait te rentrer dedans, mon garçon. Des rumeurs? On dirait que la guilde de Skingrad est incapable de savoir ce que font ses membres. C'est déplorable. Oh, écoute. S'il y avait que ça comme souci dans la guilde des mages, à Péta ou Schnock, hein. Bon, celle de givre affinée, ça te parle? Oui, j'ai entendu parler de mages qui scellent des portails avec un ingrédient en guise de clé. Le crochetage de la serrure est alors rendu impossible. Julienne doit être spécialisée dans le sel de givre raffiné. Vous pouvez peut-être retourner à l'université pour lui parler. Oui, ben, quand je serai de passage, je poserai la question avec plaisir. Et les larmes de Garidan, je te les ai trouvées. Vous avez trouvé 5 larmes? Fantastique! Ça s'est passé mieux que prévu. Un petit bonus est peut-être le bienvenu. Oh! 1600! Ouah, mais t'es mon meilleur... Ouah, eBay paye généreusement. Je sais plus quel truc, je m'étais cassé le cul, là, il y a quelques épisodes, j'ai eu 450 ou 600. Et lui, ouah, fais péter la monnaie, 1600, allez où? Oh la vache. Mais du coup, qu'est-ce que tu vas faire? Elles sont l'orgueil de ma collection. Oui, bah oui, je pense bien. Je pense bien. Tu parles d'avoir les larmes du dit livre, c'est la classe. Mais moi, je serais allé sur place, na. Ah, le nid en route, je sais plus, on en a parlé du nid en route. Bonne chance pour votre travail sur le terrain pour Sindarion. Oui, merci, ouais, c'est pas ton truc. Ah là là, il m'aime bien. Dites-moi plus. Voilà, oh, c'est l'amour fou, là. Il m'adore. Drassa. Ah là là, bah, je sais plus quoi te dire, mon grand. À plus. Les larmes sont splendides au milieu de ma collection. Encore une fois, mille merci. Non, mais je t'en prie, Drassa. Putain, la vache. Bonjour, associé. Bonjour. Au nom de toute la ville, je vous remercie d'avoir débarrassé Rosentia de ses galopins. Oui, mais je t'en prie, j'avais même déjà oublié. Oh là là. Entre-temps, j'en ai vécu d'autres, des vertes et des pas mûres. Des rumeurs? La nécromancie a été bannie à la guilde des mages. Et celle-ci refuse tout contact avec les personnes qui la pratiquent ouvertement. Oh. Eh bien. Revenez quand vous voulez. Ce matériel. Oh là là, je vous en envie. Et je suis en train de me dire, c'est pas dans la cave ici que j'avais mis des ingrédients à moi. Bonjour, associé. Oui, bonjour tout le monde, mais attendez, la cave, elle est où? Comment allez-vous? Je vais bien, merci. Tout le plaisir est pour moi. Continuez, je vous prie. Bah, j'ai rien de particulier à dire. Des rumeurs, peut-être? Vous saviez que Falkar avait quitté la guilde? Il me semble que c'est Ditsan qui la dirige à Shedin Hall maintenant. Oui, c'est pas plus mal, c'est pas plus mal. Adieu. Adieu, adieu. Ouais, c'était un assassin, c'était... Il était nul, ce mec. Bref, je suis... Elle est où, la cave, ici? Attendez, excusez-moi, mais je cherche la cave. Ah bah, là. Bonjour. Oui, on a déjà discuté, bonjour. C'est dans cette cave que j'avais rangé mes ingrédients, dans une armoire. J'aimerais les récupérer. Je les partagerai avec ceux qui me demanderont, mais... J'aimerais que ça soit rangé chez moi. Non! Ça a disparu! Les ingrédients ont disparu! Non! J'ai perdu tous les ingrédients! Oh, je suis deg! Il y en avait pour une fortune! Oh! Je sais pas qui gère la cave, mais... Oh, je suis dégoûté. Je
tout ça parce que j'avais pas de chez moi et je pouvais pas mettre dans les coffres. On est d'accord, il n'y a pas d'autres armoires, non? Ça n'a pas été déplacé. Oh, je suis deg. Dagoté. Oh là 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 là. Il y avait des tonnes d'ingrédients. Ben, j'espère que vous ferez des bonnes potions hein, avec ça. Je suis dégoûté, je suis dégoûté. Je vous boude, adieu. Bon, elle est où ma maison ici? Je sais plus. Alors, Leia Win. Voilà. Où quelle est ma maison? Ah, merci. Elle est là-bas, ma maison, elle est là-bas, ma maison. Boing, boing. Quelle est ma maison? Diga, diga, diga donc. Quelle est ma maison? Attends. Pourquoi bien? Mais non, mais c'est pas meilleure marchandise que je veux aller. C'est dans ma baraque. Oh, mais vous êtes nuls! Ah, Maïdeya Wind House. Ok. C'est en face. Voilà. Mon chez-moi, c'est ici. Voilà. Ah. C'est ça, la réserve. Ah bah, d'accord. Ah, c'est une réserve. Putain! Trois tonneaux, un coffre, un tapis et un panier. 1700 boules. Eh ben, c'est le pays où la vie est le plus chère. Hein. Waouh! J'ai avoir un mal de chien à meubler la baraque. Ouais, c'est pour pas que ça sente mauvais le linge et l'ail. Ah, le crochet, je me dis. Oh, un gobelet marron! En cadeau, j'aime bien. J'ai la petite... Oh, une cruche en pierre. Voilà. Et je peux boire un coup. J'ai un balai derrière, je sais pas si c'est couleur. Mais pourquoi pas. Oh mon dieu. Oh là là. Ouais, il va falloir que j'enche des trucs moi là-dedans. Dans le coffre, je mettrai les flèches. Par contre, dans le tonneau, je peux mettre des... Attends, je vais essayer de mettre déjà toutes les potions. Ouais, attends. Parce qu'il y a de ces trucs-là, ça en fait beaucoup quand même. Là, je mets les potions. Là, je vais mettre les flèches. Qu'est-ce que je fais? Ça, je dépose. Ça, je dépose. Ouais, je vais garder les flèches de foudre. Gardez juste les flèches en fer classique. Ah, le bâton de mage, j'aurais de l'intéresser. Faudrait que je lui redonne. Bah, le bâton de mage. Oh. Parce que. Ouais, tu me diras, il a pas de masse, je suis con, je vais pas m'en séparer, il a pas de masse le bâton.
Voilà, relax. Alors, elle pèse pas lourd, donc je peux les prendre. Ouais, ça va me sauver. Ouais, non, je suis content, c'est bien vu de ma part. Oh, je sais plus qui c'est qui me rachète les pierres là. Qui c'est qui avait dit qu'il me rachèterait à prix d'or Il y a quelqu'un là dans la capitale, je sais, mais il y a quelqu'un d'autre aussi qui me disait je vous rachète 600 mais. Qui c'est qui m'a dit ça? Je vous rachète 600 les. Oh, je sais plus. Je sais plus. Allez, zou, dodo bien mérité.
bois 7000 en fait, c'est peur. Oh le ciel. Ah merde, j'ai pas rangé mes ingrédients rares. Mais qui est con. J'ai oublié de ranger mes ingrédients vachement rares là. Attends une minute. Ça, hop, je laisse ça là-dedans. Toi aussi d'ailleurs, ça pèse trop lourd. Oh, ça je vais garder parce qu'elle va m'en parler sur la capitale. Elle va m'en parler. Encore que non, il faudrait que j'aille voir un forgeron et que je fasse réparer mon matos. Enfin, s'ils sont ouverts. Alors oui, eux, ils m'intriguent, là, les bois noirs. Forgeron. Il est où, le forgeron? Ah, il est là. Ah, merde! Comment se fait-il que je sois rentré chez lui? Que puis-je pour vous? Je croyais qu'il était fermé là, j'ai pas compris. Enfin bref. Je ne vois pas l'intérêt de vous promener avec des objets cassés. Oui, s'il te plaît, merci. Oh là là. Des choses sur la ville? Je fabrique toutes les armes et armures de la garde. Je ne fais que de la bonne qualité, du genre qui vous fend en deux comme un melon bien mûr. Tu m'étonnes, Johnny. Il n'y a que des articles de qualité ici. Que puis-je vous offrir? Bah, pour le moment, je t'achète rien. Désolé, mais merci d'avoir réparé mon matos. Vous aussi. Ingy. Ah, il est adorable, ce garçon. Oh, c'est agréable.
Puis ça papote. Suite au prochain épisode. Je dis oui.